Fabarket, c'est une start-up spécialisée dans les produits recyclés. Donc, on a un site internet sur lequel on présente toutes nos créations, tous les produits qu'on développe en marque propre, issus donc de matériaux recyclés, mais également les marques avec lesquelles on aime travailler, les créateurs, les marques financières, les marques un peu plus établies, qui elles aussi travaillent à partir de la revalorisation de la matière. J'avais besoin que mes valeurs personnelles soient en cohérence avec mon projet professionnel. Et c'est vrai que personnellement, j'étais dans ma consommation personnelle, donc très engagée dans la consommation zéro déchet, tout ce que l'on consommait à la maison en termes d'équipement et aussi de prêt-à-porter, et d'issus de Chine, de brocanteurs, d'antiquaires, de magasins, de friperies. Et j'avais besoin de montrer qu'on pouvait faire renaître la matière dans les nouvelles créations, d'où l'idée de créer les Femmes Market. Alors, les Femmes Market veut montrer qu'on est capable, grâce à une forte démarche créative, d'anoblir la matière qui a eu une première vie. On crée à la fois un impact positif sur l'environnement et également on crée du lien social en produisant dans des ateliers de réinsertion. Tout cela, on retrouve sur les Fashion Green Days, à la fois la créativité, l'impact social, l'impact environnemental, positif bien sûr, et il nous paraissait important, pour ne pas dire primordial, d'être présent sur cet événement, un des seuls en France qui défend ces valeurs.